Après 6 ans en France, Neymar vide son sac, je me suis le plus pris de coups. À l'occasion de la rencontre de Ligue des Champions asiatiques face à Alain, le lundi 4 novembre 2024. Neymar a été contraint de sortir du terrain, souffrant d'une nouvelle blessure. Un gros coup dur pour le joueur, qui a été critiqué pour son poids, qui ne cesse d'enchaîner les blessures. Son entraîneur, Roré Jésus, a donné de ses nouvelles après la rencontre. Il revient d'une blessure qui n'est pas facile et il joue dans une position qui le rend très vulnérable au tacle. Je pense que sa blessure est musculaire et non au genou. Il devrait être absent pendant au moins 2 semaines. Mais l'ancien du PSG se dit toujours combatif. Il souhaite encore remporter de beaux matchs. Je veux gagner des titres avec Al Hilal, ma mentalité ne change pas, tient-il à rappeler. D'ailleurs, Neymar en profite pour faire une petite mise au point, tout le monde a aussi dit que j'allais dans un endroit moins compétitif en France. Et au final c'est le pays où je me suis le plus pris des coups sur le terrain, a-t-il lancé. Cela ne fait vraiment pas longtemps que je suis arrivé ici. J'ai joué très peu de matchs, c'est donc difficile de tirer des conclusions. Mais, à première vue, c'est un championnat qui est beaucoup plus physique que la Liga, avait-il indiqué, alors qu'il était encore au PSG. Ici, les équipes me semblent plus puissantes et les matchs sont très disputés, avec peu d'espace. La plupart des joueurs sont très costauds. Mais c'est encore un peu tôt pour me prononcer pleinement sur la Ligue 1. Car c'est une chose de voir les matchs et c'en est une autre d'être sur le terrain. Mais pour Neymar, cette énième blessure est un véritable coup dur. Sur Instagram, le joueur est revenu sur le déroulé de ce qui s'est passé. J'ai eu une crampe, mais c'était très fort. Je vais passer des examens. Et j'espère que ce n'est rien de plus. C'est normal que cela arrive après un an, les médecins m'avaient déjà prévenu. C'est pourquoi je dois faire attention et avoir plus de minutes pour jouer. D'ailleurs, de peur de se blesser plus lourdement. Le joueur n'a pas joué depuis de nombreuses semaines, je ne l'ai pas inscrit en championnat parce que je savais que cela pourrait se reproduire. Ce n'est pas une simple blessure, a rappelé son entraîneur.